Let's go! Salut, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien de ma part. Ça va super. Enfin, le retour du jamais deux fois challenge. Jamais deux fois challenge. Run 3. Run sur la version jaune, sur la version Pika jaune, tout simplement. J'espère que vous allez bien de ma part. Écoutez, ça va super. On va très 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 vite commencer. C'est une run qui va durer 2 heures car on va s'arrêter vers Céladopol. Je vais refaire vite fait un petit point sur le règlement et tout ce qui va avec sur ce challenge-là, bien sûr. Pour l'instant, je ne vois pas le chat. Attendez, si je vais voir le chat ici, voilà, comme ça vous pourrez mettre. Maintenant, comme ça, vous pouvez mettre des petits coucou version Miss Jirachi si vous le souhaitez. Hop là, ça, je ferme. Alors, le jamais deux fois challenge, qu'est-ce que c'est que donc que ça? Alors, c'est déjà un challenge qui a été créé par Monsieur Kelgin, un bon vidéaste qui en est lui à la version noir et blanc 2, si je dis pas de bêtises. Enfin, il va l'attaquer. Nous, nous sommes que sur la version jaune. Alors, j'ai une partie des règles qui ressemble aux siennes et j'ai des petits rajouts que j'ai fait de mon côté. Donc voici les règles. Donc nous allons jouer à toutes les versions de Pokémon dans l'ordre chronologique des sorties, hors Pokémon vert. Quand on capture un Pokémon où celui-ci évolue, celui-ci ou sa famille ne pourront plus être joués. Or, si c'est déjà un Pokémon évolué et que sa famille est déjà sous-évoluée. En gros, si on capture un Ectoplasma, on pourra jouer Fantominus et Spectrum, mais on ne pourra plus jouer Ectoplasma. Voilà. On ne pourra jamais capturer un Pokémon deux fois dans une même zone, dans une même région. C'est-à-dire que si dans la version bleue ou rouge, j'ai capturé un Pokémon sur la route 3, je ne pourrai plus le capturer sur cette route. Et d'où l'importance de la petite roue de capture qu'on a ici, voilà, qui va nous définir sur quelle route on va capturer. Hop là. Alors il me faut bien sûr le bon truc, voilà, qui est celui-ci. Ensuite, la suite des règles. Les objets de combat et de soins sont interdits durant les combats, bien sûr. Seuls les CS qui sont obligatoires pour avancer dans le jeu peuvent être appris par n'importe quel Pokémon. Ça, c'est super important. Voilà, les runs de chaque version seront randomisés quand cela sera possible, avec un niveau de difficulté qui va augmenter donc d'un échelon à l'autre. Par exemple, sur la version rouge, on était à plus 15%, sur la version bleue 20. Et c'est censé être 25, mais je crois que j'ai mis 20 encore sur la version jaune, mais je sais plus. Les super bonbons vont être autorisés uniquement pour mettre à niveau le dernier Pokémon capturé. Et la run se termine une fois la ligue battue pour la première fois. Voilà, ni plus ni moins. À partir de là, j'ai rajouté aussi d'autres petites règles. On ne peut pas avoir deux fois le même type dans l'équipe. Voilà. Je vais faire vite fait un petit topo aussi sur les routes qui ne sont plus disponibles sur la région de Kanto, c'est-à-dire la route 3, 9, 12, 16, 18, 15, 22, ainsi que la grotte, la cave Topkeeper et la tour Pokémon. Voilà, tout simplement. Et pour terminer, les Pokémon que je ne peux plus avoir, attention, ils sont pratiquement dans l'ordre, Aspicot, Conconfort, Dardanian, Goupix, Fenard, Chétifleur, Boustifleur, Ampiflore, Flagados, Ectoplasma, bah tiens, on en parlait tout à l'heure, Carapuce, Carapaf, Tank, Misterbe, Ortide, Alakazam, Dracaufeu, Racaillou, Gravalanche et Grolem. Donc ça nous laisse quand même pas mal de choix dans le topo. Allez, du coup, on perd pas plus de temps. Voilà, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. On va tourner la roue de capture. Hop. D'ailleurs, il faut que je fasse ça aussi. Hop, en même temps. Je fais tout en même temps, donc c'est assez compliqué. Et salut Maï! Et c'est parti donc pour les zones, les 5 zones qu'on va pouvoir avoir. Alors, on fait tourner la roue. Et le suspense est insoutenable. Il va falloir que je check la route 8. Alors, est-ce que la route 8, elle ne m'est pas déjà condamnée ou pas? 9, 18, non, ok. Donc, comme d'hab sur le layout, on va pouvoir mettre pour l'instant
les 1, 2, 3, 4, les routes. Hop, 8, tac, on le met dans le petit dossier. Bon, on va le mettre dans le dossier musique, s'il te plaît. Tac, voilà, Jean-Charles. Tout se fait en direct. Ça, après, je sais pas si je vais le cutter au montage ou non, mais je pense pas. Hop là. Est-ce que... Mais, oh, je veux plus de dossier là. Il est relou, Michel. Michel, s'il vous plaît. Voilà, toi tu te mets là. Et cette fenêtre, elle va là. Ensuite, hello Malder. Tac. Ensuite. Alors, on va mettre le 8 déjà, ça sera fait. Hop. Donc, on peut enlever déjà. Hop. Ensuite, la deuxième zone qui nous sera autorisée de capturer sera. Roulement de tambour. Musique de forain. La route 17. La route 17, est-ce que... Non, elle n'est pas condamnée de base. Donc tant mieux. Hop, hop, hop. Ça va bien, écoute. Et toi? Hop. Générer chiffre 17. Ça, je devrais le faire en avance. Mais non, bien sûr que non. Hop. Donc route 17, route 8, qui seront bientôt remplacées par des... Par des Pokémon. Et encore, c'est tard, ça. C'est très, très tard, la route 8 et 17, si je dis pas de bêtises. La troisième zone, du coup. Hop là. Ça sera. Fatigué, mais ça va. Oh, la route 22. Je crois qu'elle est déjà condamnée. On l'avait déjà faite, ouais, c'est ça. Donc, hop là. Route 22, on l'avait déjà faite. Donc, nouveau tour de roue. Et ça sera la... Oh putain, la route victoire! On va mettre RC. Pour se rappeler. Hop. Bon, lui, je vais le mettre tout en bas du layout. Donc, on voit quasiment tout le jeu se fera à 5 Pokémon. Tac, salut Milo. Sur la route victoire. Ça va être sympathique ça. Hop là. Ensuite, il nous reste deux zones à découvrir où on pourra capturer des Pokémon. Ça sera sur l'île écume. Oh, mais c'est tard. Mais c'est ultra tard. On va mettre IE. Et non, ce n'est pas Internet Explorer. Peut-être qu'on va l'appeler ainsi. Le Pokémon qu'on aura dans cette zone-là, il s'appellera Internet Explorer. Pensez à me le rappeler quand on y sera. Donc ouais, ça sera les deux derniers Pokémon qu'on aura. J'espère que la run va être assez facile. Et pour terminer... Ah oui, petite info, je connais déjà le starter. Car c'est moi qui l'ai choisi. La route 11. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. À moins que... Non, c'était la route 12 qu'on avait fait et la route 9. Ok, ça me va. Et la route 11. Hop, générer. Hop, hop. Voilà, ça commence à se compléter. Tac, tac, tac. Ça, je peux fermer. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin ou de capture. Hop, on se retrouve à la prochaine run. Hop, et ensuite ça sera les sprites. Ah bah du coup je peux déjà m'envoyer le sprite auquel je vais avoir besoin. Et le type qui sera affiché, car je le connais lui aussi. Hop, on va prendre les symboles de Master X. Ils sont bien. Voilà, allez, on perd pas plus de temps. C'est l'heure de l'aventure. Let's go! Nouveau jeu. Alors bien sûr, on se permet de mettre en vitesse pas mal. Tac. Émulation. Hop. Voilà. Donc je vous fais pas le speech du professeur Pokémon. Après on est là pour chill, pour discuter aussi.
Bien sûr, c'est les sprites d'origine qu'on va avoir. Alors, mon nom sera Ikira, comme d'habitude. Hop. Et du coup, monsieur le rival va s'appeler... Oh putain, je sais jamais. Désolé si je t'ai mis un vin Yosh Yosh, mais j'ai la co qui fait des siennes comme d'habitude. Pas de soucis. On va l'appeler... Patate. Voilà. Parce que mon rival est une patate. Voilà. Eh ouais, la quête est sur le point de commencer trop bien. Alors, l'objet du PC déjà, qui va être important. Oh, ça c'est cool. Une pierre haut, très bien. Allez, let's go, on avance, on trace. Et on part en direction du Professeur Chen de justesse. Eh ouais, des Pokémon sauvages vivent ici, notamment un certain Ditto. Donc vous avez compris, Ditto sera mon partenaire. Et je sais déjà comment je vais l'appeler. Donc on peut déjà le mettre sur le layout. Alors, sprite. Alors, il faut que je me rappelle où se situe la route 8. Car je crois que la route 8... c'est... Hop là, donc le type normal. Alors, je vais ralentir un peu. Là, c'est un peu nerveux. On va être à 4. Oui, on va l'appeler, du coup. Ce qui est bien, c'est que lui, il va pouvoir apprendre différentes CS et on va l'appeler Durex. Durex Max. Voilà, maturité sur 20, bonsoir. Bruh, je peux regarder le stream, être présent, c'est déjà ça. Ben oui. Patate, minute Ikira, voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Allez, premier combat pour Durex Max versus Mew. Et là, ça va être assez rigolo. Ça va être Battle des Crafaces. Bon, techniquement, je suis censé le perdre, le premier combat. Mais c'est pas grave, on n'est pas en Nuzlocke, voilà. Patate, ouais, je suis trop bon ou bien... C'est moi qui ai choisi le starter de Régis, ainsi que le mien. On dirait que ton Pikachu, oh bah oui, c'est pas Pikachu. Alors, on va voir la sœur Nina Chen pour la carte. Juste pour zioter. Hop, elle me l'a donné. Mais quoi, patate au labo de pépé. Ah mais non, c'est après. Allez, on trace. Oh, de toute façon, la route 1, on s'en fout. De toute façon, en fait, on va prendre tarif. On va prendre tarif dès le début. Donc, autant s'entraîner. Ah, ça va être très long. Ah, les combats, ils vont être... est-ce que j'ai pas une touche pour accélérer, moi, déjà, de base, ici? Il me semblait que j'avais mis une touche pour accélérer. Ah ouais, non mais on va se faire dégommer. Car du coup, voilà, on va fonctionner à coup de lutte très souvent. Ok, on a gagné le premier combat. Ça va être une... Il y a un Mew, genre, ouais. C'est moi qui... honnêtement, pour cette run-là, c'est moi qui ai décidé des starters. Sinon, sur les autres runs, ça sera souvent du aléatoire.
Mais on va en chier dès le début. C'est bon, on a récupéré le colis. Hop. Faudrait que limite que je pexe dès le début. Car suivant où se... Ah, c'est bon. Car suivant où se situe la route 8, je suis pas rendu. La route 8, je crois, si je dis pas de bêtises. Putain, je crois qu'elle est après Azuria. Allez, hop. On va récupérer la carte. Petit coucou, je t'avais pas encore follow, vu que je voyais les notifications sur Discord. Salut Némésis, ça fait plaisir. Oh, d'ailleurs, ça n'a pas fait un wouah. J'ai mon Yoshi, il s'est pas garé. Pourquoi? Où est mon alerte follow? Eh! Le Yoshi n'a pas garé son kart? Pourtant, chat. Mais ta maman le poulpe. Mais bienvenue à toi, Némésis, ça fait plaisir en tout cas. Alors. Merde, j'ai oublié de récupérer la carte du coup. Alors, ça, là, c'est une zone aux roches. Ça va être long. Pourquoi j'ai décidé de prendre Métamorph? On va perdre. On va perdre. Mais non. Allez. On va perdre à cause de lutte. Allez, tiens bon. Tiens bon. Allez, Billy. Non. Durex est mort. Oh. Ah, sablette. Je crois qu'il a jet de sable. Ah non, il a que griffe. Ok. En fait, là, il va falloir vraiment jouer sur la RNG et la chance. Ouais, Grolem, par contre, 8. De toute façon, je suis pas full vie. Je vais en faire des tours au centre Pokémon. Hop. Alors, Nina Chen, donne-moi la carte pour me dire où se situe cette route 8, s'il te plaît. Hop là. Alors. 2, carte Picard, Argenta, route 3, Céline. C'est la 8 ou la 11 qui m'intéresse. 9, grotte, 10. Alors. Oh, elle est après l'avant-ville! Oh! Et la route 11. Oh putain. Ah, je vais me taper deux badges. Oh. Si tu as besoin de parler, peut-être que l'on peut t'aider. Soir pas top, stress beaucoup, questions qui me trottent en tête, de la frustration, mais on fait avec et on garde tout en soi, c'est dur. Courage Némésis et n'hésite pas, les MP Discord sont ouverts. Après le live notamment. Et que voilà, force à toi. D'ailleurs, petite question, est-ce que la musique n'est pas trop forte? Car je suis en train de me défoncer les tympans. Ou c'était limite. Rhinophéros, je le passe pas. Bon. Comment dire que pour passer les dresseurs, je vais devoir quand même faire un bon montage jusqu'au niveau 10. Assez vénère, donc on va prendre l'accélération. Façon, pour l'instant, ah, quoique je peux déjà prendre les Pokéballs pour pas me voilà, pour pas me faire avoir. Ouais. On va pas en prendre autant, car j'ai pas autant de sous, s'il vous plaît. 1002, hop. Une zone apex pas trop chiante. Donc là c'était de la roche. Peut-être là je vais être insecte. Pourquoi pas. Ah, il y a de la vive attaque. Ça peut taper correct. C'est celui qui tapera le plus fort. Putain, à chaque fois on va devoir les soigner. Oh.
Ouais, c'est pas grave, on crève et on y retourne aussitôt. On n'a plus de sous de toute façon. Allez, hop, à coup de charge. Peut-on... Non, on se le finit pas. Ok, on est sur une zone insecte ici. Ça va pas beaucoup pex, mais... Ça va le faire. Merci gentil, perso. La musique, c'est nickel, nickel. En parlant de nickel, ma chère et tendre banque, oh, me l'a mis tellement dans l'os. Je me suis fait raccrocher au nez par la conseillère clientèle de cette merveilleuse banque. Voilà, c'était le petit story time de ce soir. Alors, pour la petite anecdote, ma carte se termine dans 5 jours. Et depuis fin août, j'ai fait la commande de ma carte. Mais celle-ci n'est jamais arrivée chez moi. Et grosso modo, il faut que je repaye pour avoir de nouveau ma carte. Donc en gros, j'ai lâché 30 balles. Je vais te ralentir au max. Ouais, pour que la dard venin, ça va pas faire grand-chose. Ah bah. Et lutte, ça fera pas. On va se faire goumer, mais une. Oh, on l'a eu! Je vais peut-être voir dans la zone plus haut. Insecte, c'est bien, mais ça pèque pas assez vite. Ah putain, mais il y a gamin Farouk plus haut en plus. Ah non, c'est bon, il y a de l'herbe avant. Aéromite, ah! Ah, mais voilà! Ça me va. Allez, la puissance du choc mental. Oui! Allez, on se soigne. Putain, et les objets de soins ne sont pas autorisés en combat. Oh. Mais les deux premiers badges, je vais en chier. Il va falloir que je sois vraiment au-dessus du niveau demandé. Ok. Il y a des Mew dans cette zone, tout va bien. Ce qui est chiant, c'est que pour se soigner, donc c'est une zone psy. Il a été plus rapide que moi. Non! On est mort. C'est reparti. Il faudrait que je tombe limite plus souvent sur des aéromites. Je récupère l'objet avant là-bas. Jamais j'arriverai à choper l'objet. Non, bref, il va avoir que téléport. Merde, j'ai pas vu ce que c'était. Ça va trop vite. Objet. Muscle plus. Ouais, non, ça va pas m'aider. Hypnomade, allez hop. Hypnose. Ah, je peux. Ok. Allez, Billy. Oh, putain, j'ai les chiens qui ont pété. Ça pue. Dans tout le calme et la douceur, je sors ça, normal. Est-ce que je peux retaper du roche sans problème maintenant? Niveau 8. Coup de corne. Ouais, ça peut faire le café. Mais Fury, ça fera pas grand-chose. Ça fera plein de petits coups, mais pas... Pas comme je le souhaite. C'est les gros Pokémon. On va essayer d'y aller à partir de... Encore heureux que tu n'aies pas
type de bulldog français. Ah non mais... C'est des machines à péter, hein. Toi-même, t'en as fait l'expérience, Maï. Quand t'es passé à la maison. C'est vrai que quand j'ai fait la randomisation de la version jeune, et je me suis dit métamorphe, que ça allait être drôle, mais en fait non, ça va pas être drôle du tout. Ok. Car même les dresseurs, ils vont être chiants à battre. Je suis plus lourd. Oui, Billy. Et voilà, je suis même pas sûr de passer le premier dresseur. Donc on va faire de l'esquive de dresseur. Là, il n'y avait pas un objet, non. Hop là. Alors, si j'ai pas de bêtises, les CT... alors, à moins que j'ai fait une... On n'a pas chopé une CT ? Donc, on augmente sa défense. De toute façon, ça sert à rien, vu qu'on prend les stats de... de Ditto. Fuite. Fuite. C'est Morph. Non, c'est Durex Max. Flamèche, rugissement, griffe. Alors, il y a la coup de griffe. Peut-être que je vais être chanceux. Niveau 10, déjà le Dracofan en face. Ça. Oh putain. Ça va donner la température pour l'arène qui va être niveau 14. 15. Avec les deux Pokémon de pierre. Oh putain, je me rechope le gars avec le Macogneur. Oh la purge! Quelle idée ai-je eue? Aéromite, on peut taper. Ça, y a pas de souci. À... Merde. J'ai dit Aéromite, on pouvait taper sans problème. Oh là 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 là! Terrible désillusion! Alors, IE c'est Illécume et RC c'est Route Victoire. RC, oui, mais je suis con. RC c'est Route Victoire, mais j'écris Victoire avec un C. C'est RV. Ah oui, non, mais RC Route Victoire, bien sûr. est-ce que dans une langue, victoire se commence par un C? Non, je ne pense pas. Merde! Ah! Morphing up. Allez, passe au moins le Macogneur. Yes. Ah, on va peut-être pouvoir... Oui, monsieur! Ça y est, on l'a passé! On a passé le premier dresseur! Ouais, il reste le dresseur avec le Dracofeu. Ah, c'est une zone haut ici. Ça va être chaud. La célèbre route six soir. Ah, tout à fait. Je vous interdis de clipper cette séquence-là. Mais vous voyez, si on tourne un peu le C à la verticale, ça forme un U. Mais il suffit de resserrer un peu le bas du U et ça fait un V. Tout y est. Et non, je ne suis pas en train de chercher des excuses, ta maman le poulpe, j'en ai marre de crever tous les 2 mètres. Le dresseur, je suis sûr que je peux l'esquiver. Fuite. Et pareil, les sbires de la Team Rocket, je vais en baver.
C'est bon, j'ai esquivé Monsieur Dracaufeu, mais je crois qu'il y a quand même un dresseur qui m'attend à la sortie. Ah, un objet. Putain, ça va tellement vite, objet. De l'huile max. Ah, ça peut être utile, ça, pour les morphings ou... Ouais, il y a quand même un dresseur qui m'attend là. La route Wicta, c'est ça. Et j'ai réussi, je suppose. Non mais faut arrêter avec les Dracaufeux, chers amis. J'en ai battu un. Ah non, je l'ai pas battu du coup. Allez, on le passe, on le passe, on le passe, on le passe, on le passe. Do it, do it, do it, do it! Fichtre. Dracaufeu va être un cauchemar. Alors, c'est reparti. Comment ça? Mais il m'a fait les blis déjà! On est morts tous les deux. Non mais oh. Quel début faramineux. Il faut que je réduise la vitesse. Oh putain, je me chope le dresseur avec son drac. Ah non, Rhinocorne. Par contre, avec uniquement coup de corne, ça peut être. Ouais, les deux dresseurs, ça va être dur à... Ah d'accord, il est arrivé au moins jusqu'à la ligue. Il a réussi, je suppose. Alors, j'ai pas suivi de quoi vous parlez dans le chat. Et puis là, je l'ai pas du tout sous les yeux. Enfin, je l'ai sur l'autre écran. Ah, ça parle de Hardcore Nuzlocke. Oh mon dieu, une motion mime. Allez, niveau 12. On va essayer de taper fort juste après. C'est ça, on a la méthode. On a la méthode. Sauf qu'on n'est pas encore assez puissant. Si. On va essayer de monter niveau 13-14. Parfois juste un level peut faire le... Peut faire le café. Ok, 13. On le passe maintenant, le Aspico. On le passe pas. À part si on fait des coups critiques, on le passe. C'est dingue. Spam gros yeux au début, ouais, c'est ce que je vais essayer de faire. Après ça, il n'y a pas de level cap. À bientôt, oui.
Et je crois qu'il a deux Pokémon en plus. C'est ça le souci. S'il en a deux, je suis dans la merde. Je crois que j'étais passé à la trappe. Du coup, Morphing. Donc on a dit, on spamme des gros yeux. Oh putain, il m'a fait un crit. Il m'a fait un crit. C'est pas gentil d'être méchant. Oh, je vais le monter niveau 15. Hein, arrête de taper ça. Merci. De toute façon, on peut crever, on reviendra toujours sur nos pas. En bas après. On va alterner les zones. On va travailler les EV de nos Pokémon, même si ça n'existe pas encore sur la version jaune. Bonne chance. Ouais, merci, bonne nuit à toi, Milo. Voilà, on tape comme des sourds avec lutte. Allez, on va taper dans la zone roche. Ouais, non, attends. Boule armure, on va les mettre les 5 déjà. Allez. C'est parti pour un combat d'abruti. D'ailleurs, lutte, je crois que ça tape le spectre. Enfin, j'espère. Il me semble que oui. Bon, sinon, ouais, c'est... Est-ce que vous pensez que mon métamorphe m'aime? Putain, mais la route 8 elle va être si loin. J'ai vraiment pas eu un bon tirage de roue. Allez, le niveau 14 là! Ça, c'est possible qu'on finisse par avoir un shiny. Oh, ta maman. Le truc absolument pas possible sur la version jaune, je tiens à préciser. Tiens, je peux battre un court confort en faisant lutte. Voilà. J'aime bien ce principe. Et bientôt les 150 followers sur Twitch. N'hésitez pas à partager. À inviter les copains et les copines. Allez, Aspico qui va me finir. Je le sens. Est-ce que c'est Aspico qui va me faire monter niveau 14? Non. La première CS qu'on a, c'est quoi? C'est... Je sais même plus où elles sont les... C'est... Ah mais non, de toute façon, on coupe, on n'en a pas besoin. Ah, c'est limite force qu'on va avoir. On te tape pas dans ta confusion. Niveau 14, enfin! Allez, on se le tente. On essaye d'arriver au moins jusqu'à Argenta avant la fin de la première heure de jeu. Attends, hop. On peut pas l'esquiver.
Hop, la morphing, hop. Ok, ça se présente beaucoup mieux. Ok, on l'a vaincu. On trace. Allez, on gride un peu sur le Flagados. Ok, on l'a rendu fou. C'est bon. Par contre, je vais pas grider sur le. On file ce soigner à Argenta, ça sera beaucoup mieux. Je vais quand même le monter niveau 15. Avant de se tester à pierre. Ah si, pour Carmen-sur-Mer. Ah bah super, Ditto va pouvoir apprendre coupe à un moment donné. Ça va être utile. Ah ça y est, on est niveau 15, j'avais pas vu. Bon, on reste jusqu'à crever, hein. Un PV, c'est comme si on était mort. Allez, hop là. À tout bien! Est-ce que je jauge avec le dresseur? Allez, on chope la température. Ça serait une arène de type proche. Oh, ta mère. Toute façon, après, je tape plus fort avec, avec lutte. Enfin, techniquement, je tape plus fort avec lutte. Non, je tape pas plus fort avec lutte. Ah, ça va être long. On peut limite mettre en vitesse x10. Hop là. Oh, ça change pas grand-chose en fait là. Roche ou sol, ouais, c'est vrai, pas faux. Mais généralement, les roches et sol, c'est. Il n'y a pas de sol pur. Si, il y a sabulette. Mais roche sol, ouais, t'as. T'as Rhino Corne, Rhino Féroce, Racaillou, Gravalanche, Grolem. Et c'est tout. Onyx qui est roche sol aussi. On le saura pas. Là là. Quoi qu'il en soit, ça va être. Attends, on va essayer juste de bypass lui. Hop, on va tenter Pierre directement. Allez, on a l'info de toute façon. Ok, c'est sol. Allez, on peut passer son sablero si tout va bien. Si tout va bien. Niveau 16, ok, et Rhino Féroce. Ouf, on le passera pas facilement lui. Ok, bon, on va spam, hein. On va le spam. Jusqu'à qu'on réussisse, mais on va le spam. En fait, le but, ça serait de réussir à garder au moins un jet de sable contre le Rhino Féroce. Chose qui va être assez délicate au bout d'un moment. Mais réalisable. Après, on n'est pas à l'abri d'un coup critique à un moment donné. Mais. C'est faisable. C'est faisable. Merde. C'est pas grave. Toute façon, on est là pour démolir. Et que je sens que ça va pas être le let's play de l'argent. Oh mais lui, ça fait que dalle. Ouais,
Sauf que là, c'est pas des vases à casser, c'est pas possible. Putain. Oh. Ah, ça va être du plaisir. Dans le chat, rappelez-moi un jour quand j'ai une bonne idée comme ça. En plus, toi, ah merde, deux fois je fais la même connerie. En plus, Mike, toi, t'étais au courant que c'était métamorphe. T'aurais pu me dire, mais Yoshi, c'est pas une bonne idée, métamorphe. Et je sais pas, inconsciemment, je me suis dit, on va s'arrêter à Azuria en plus ce soir. Inconsciemment, j'ai dû me dire. Il y a un truc qui allait quaquer. Allez, achève-moi, explose! Oh putain, on a fait un critique. Ça va tellement vite. D'ailleurs, j'ai trop vert qui baille. Hop là. Ah bah, il baille de l'autre côté maintenant. Ici. Oh, on l'a eu! Ah oui, mais lui, on le passe pas. Il faut qu'on arrive à avoir nos jets de sable. Attends, toi, tu donnes pas des bouteilles d'eau? Non, c'est qu'à partir de la deuxième ou troisième gêne que tu donnes des bouteilles d'eau. Voir souffrir les gens me rend heureux. Salaud. Allez, allez, allez. On essaye de le tuer uniquement avec les griffes. Non! On y est presque. Il nous faut un coup critique, en fait. C'est surtout ça. Ça s'appelle du bouton mashing. Aïe, 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 aïe. En fait, c'est temps. Faut que je mette deux jets. Faut que je commence par un jet de sable. Et ensuite que je l'enchaîne avec les griffes. Voilà. On joue strat. C'est un jet de sable dans ta face. Voilà. Et là, à partir de là, il a plus de chances d'échouer. Oh, putain. Et là, c'est juste prier que... Ouais, on fait deux dégâts et demi. Il me fait des critiques. Je vais être niveau 25, le métamorphe, il va pas m'écouter. On y croit, on y croit. J'en ai pas mis un seul. On va pas monter de niveau 20 quand même. On va chercher les dresseurs qu'on n'a pas fait dans la forêt de Jade. Allez, let's go. Ça, c'est fait. Jean-Charles Henry, il est là-bas. Hop, viens ici, Jean-Charles Henry. Après, j'aime... Ah, mais non, je peux pas utiliser les objets de combat. Morphing. Tac. On va essayer de se ras. Ok. Niveau 18. Nocerapti. On va essayer de se rassurer. Allez. Allez, allez. Voilà. Ok. On se fait un peu de sous-sous dans la popoche.
Je crois que Mike, dans la prochaine run, tu seras le nom du rival, vu que tu aimes me voir souffrir. Tu seras le voleur de Pokémon. Faut-il déjà que j'y accède à la prochaine run? Allez, laisse-moi placer mes attaques, enculé! Oui, je l'ai eu! Il m'a eu! Laisse-moi sortir! Je l'ai, mon badge! Je l'ai eu sur les deux premières versions! Voilà, coup critique dans ta face. On va monter niveau 20. Oh oui, la rune de la gloire. On passe picouille chiant. Des trucs qui font pex là rapidement. Hop. Et allez, Billy! Oui! Miaou! Miaou! Je crois que dépasser le niveau 20, en plus, il m'écoutera plus. Ouais, il faut qu'on le tente maintenant. Car après, il m'écoutera plus. Ça va être pire. C'est pas grave. C'est qu'un test. Bon, un test un peu foireux, hein. Je dois l'accorder, mais... Si on passe lui, on aura beaucoup de mérite. Bien sûr, je l'appellerai pas My Mario, mais Mi Mario. Ce n'est que les Pokémon échangent. Et on commence à avoir quelque chose. Putain, même entre guillemets. Non, j'allais dire l'océan, je vais devoir le tryhard, mais non. Dans la face, normal. Salut, Rukia. Ah, putain. Fallait que j'arrive à en garder au moins un. Ah, ça va être chiant. Écoute, je souffre, mais ça va. Ok. J'ai placé deux jets de sable. Elle est pour moi, elle est pour moi, elle est pour moi. Oui. Ok. On balance tout ce qu'on a en jet de sable. C'est la bonne. Allez, allez, on y croit, 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 on n'y croit plus, on n'y croit plus, on y croit, on y croit, on y croit. On l'a, on a le morceau.
Métamorphe arrivera niveau 100. Je n'aurais pas passé la première arène. Niveau 21. Je me prends des crits dans la face. Bon, est-ce que j'ai plus d'espoir maintenant sur le premier? Comme ça, ça m'évite de le réaffronter par la suite. Le bouton machine. Je peux vous faire un ASMR bouton. Est-ce que c'est agréable? J'espère que vous allez bien. Appréciez ce bouton. Machine d'un combat épique entre Durex Max et Gravalanche. Durex toujours plus dur. Mais il se fait pilonner. Voilà, c'était l'ASMR du soir. J'espère que vous avez grandement apprécié. Ça sera sur TikTok. Ok. Putain, j'ai déjà mangé mes 5 griffes. Bon allez, ça part en clip. Au moins, ça sera plus simple pour moi à télécharger et à mettre sur TikTok. Ah oh, putain, j'ai oublié de... Ah oh, quoi que non, c'est bon, je peux... Je peux télécharger le stream. Et du coup, demain soir, il n'y aura pas de Pokémon Réunion en live, mais il y aura la rediff du stream de la semaine dernière. Parce que j'ai des invités chez moi demain soir, et... Comme ce soir d'ailleurs, c'est pour ça que je commence assez tard. Donc du coup j'ai décalé la sortie de la rediff de Pokémon Réunion à demain. Mais non! Putain, mais tu peux pas taper plus fort! Bon, ça marche pas. C'est pas grave. Je sais que c'est un peu avant l'heure de live. Ça sortira en TikTok peut-être ce soir après... Enfin, ce soir, demain. Car je risque très certainement de finir à minuit. Putain, j'ai de sable. Putain, déjà. C'est pas possible. On y croit. Ah, et puis, oh là là. Oui, on l'a eu en coup critique, niveau 22. À un moment donné, la RNG sera pour moi quand même, faut pas déconner. Après, je vais me positionner à sa gauche. En fait, du moment qu'il me fait un jet de sable, c'est mort. Ah, puis j'ai... si, j'ai une idée. Enfin, une idée foireuse, hein, car je sais pertinemment qu'on va perdre, mais j'ai une idée quand même. On va retourner à Jadiel. Tout en tapant tous les Pokémon qu'on croise, sauf quand ils nous endorment, bien sûr. Hop. Je vais tenter quelque chose. Je vous garantis pas que ça marche. Même si je sais que pertinemment ça ne va pas fonctionner.
Ah bah oui, je suis obligé de me soigner du coup. Je suis endormi. Patate, t'es où? J'ai dit patate, pas chenipan. Oui, je vais aller à la ligue là, ça y est, je suis trop bien. Air bizarre niveau 11, ok, très bien. C'est pas grave, il me fait ligotage. En vrai, on peut le battre, lui. Grâce au vampigraine, on peut le battre. Ça, c'est cool. Ou pas. Oh, merde. Oh, j'y ai cru. On peut le battre. On peut battre le rival. Il a une équipe poison. Vu qu'on se morphe en... C'est jouable. On peut le battre. Car là, on le spam de charge uniquement. Ah, ou pas. Merde, pourquoi ça a marché une fois et pas deux? Bon, on va y aller à coup de lutte. Ça marche tout aussi bien hein, en soi. Voilà, on tape comme des sourds. J'ai les mecs que t'as first try le rival, mais non. Ah non, mais j'y ai cru aussi. J'y ai tellement cru, mais tellement fort. Mais je me fais... C'est toi le minable, le minable. Finalement, Pokémon Réunion, c'est bien. Hein. C'est très très bien, c'est facile à côté. Déjà, comment je peux échouer charge? Déjà, il y a un souci, c'est que je loupe charge. Et puis avec son ligotage, il fait tellement mal. Ligotage ultrason. Quatrième essai du rival. C'est pas grave, ça me fait level up sur le rival et après on retourne sur Pierre. Charge à 95% de précision. Ah mais 5%, frère, 5%. On parle de 5 fucking pourcents. Ah, puis surtout que, quoi, en plante, après, il suffit qu'il me sorte un Rafflesia derrière, je suis cuit, mais... Je vais au moins savoir son troisième Pokémon, quoi. Voilà, je suis cuit. Lord Kraken vaincra. Ok. Ok, on a placé les vampigraines. On empêche de taper fort. Et je connaître la dernière identité. Ok, on n'a plus de charge, il ne reste que des vampigraines. Non, oui, non, oui, 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 non, oui. Ah, il en avait que deux. Ok, on l'a eu. Il paraît qu'il y a des... Mais oui. Eh les gars, je vais à la ligue. Eh merde, je me suis planté de chemin. Il n'y a pas un objet caché ici d'ailleurs, il me semblait. Et puis il y a un bug qui donne une chance sur 256 le fait que les attaques à 100% de précision peuvent... C'est le shiny des attaques.
Allez, on retourne voir Pierre. On y retourne. C'est pas vrai, je coupe pas la porte. Voilà. Merde, j'ai dit que je faisais le combat. À part ceux qui m'endorment, ta maman le poulpe. On retourne se soigner. On va remettre la vitesse normale. Enfin, vitesse normale. En x5. Que ça soit plus gérable à. À gérer. Et puis Lyon est bien parti pour rejoindre Bordeaux en L2. Non mais Bordeaux, ils sont en train de flopper et ils vont descendre en national. Le classement de Bordeaux est pas ouf en début de Ligue 2. Mew, il fait des écrafaces, c'est pas bien grave. Oh putain, je l'avais oublié lui. Ah oh oui, en plus avec son rhinocorne. Voilà, un deuxième test. Voilà, c'est pour passer niveau 24. Mais oui, monsieur. Et non, je ne passerai pas le troisième. Ok, prochain challenge, c'est ce dresseur-là. J'avais pas tous mes PV, c'est pour ça. Le spray de Nidoqueen est incroyable. Et tu sais ce qu'il y a de plus incroyable aussi? Eh ben c'est ma grosse luck. Mais ils sont en soi j'aime beaucoup les sprites de. Les sprites de. De jeunes comparé à rouge et bleu. Donc je disais, c'est ma grosse luck qui est incroyable. Non! Ta maman le poulpe! Elle a un gros crit dès le début, ça ferait du bien. Allez, on a toutes nos chances là de le passer, le gars. Ou pas. Oh mais non, 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 mais non! J'avais plus de chance tout à l'heure. Ah, ça va être une run qui va pas faire 3 lives, mais sans doute 4. En fait, jusqu'à l'obtention d'un. La seconde Pokémon. Et du coup, je regarde sur le l'écran de capture
histoire d'avoir le chat aussi sous les yeux en même temps. En même temps, c'est du bouton mashing que de ce que je fais. Putain, j'arrive pas. Arrête avec tes mimiqueux. Bonjour, moi c'est Chewbacca. Ça y est, niveau 25. Par contre, il m'a mis tarif le. C'était pas Pierre, j'étais en train de faire. Oui, on l'a eu! Mais non, c'était pas Pierre. Bien sûr que non. Allez, pour la gloire du niveau 25, on y croit. On y croit tous. Niveau 30, ça passe. Peut-être. Est-ce qu'on se tente? Allez, on se le tente, lui. Alors, on se charge en. Voilà, bien sûr, comme d'hab. Est-ce que bien le bouton mashing fait travailler un doigté exceptionnel? Faudrait qu'un jour je précise que les lives peuvent être limite PK18. Même si c'est du Pokémon. On a toutes nos chances de passer. On a toutes nos chances de battre le Rhinocorn. On a toujours toutes nos chances. Un peu moins maintenant. Allez, je suis pas encore au rouge, je suis au rouge avant. Ah oui, 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 monsieur. Ça sent bon, ça sent bon. Ça sent pas le pâté, ça sent bon. Est-ce que je tente vénère un griffe en premier? Non, car après je vais me faire ken par le. On tente la griffe premier. Arrête ce truc étrange que tu fais. Mais j'appuie sur le bouton A. Ok, il m'a fait griffe, je fais griffe. Il me refait griffe, il m'a fait jet de sable. Et merde. Ok. Bon. On lui jette du sable. Faut que j'arrive à conserver un jet de sable, un voire deux jets de sable. C'est pas grave si je nique les griffes derrière. C'est surtout pour le rhino féroce le jet de sable. Ok. J'ai lâché deux jets de sable. Donc là, on peut spammer le griffe. Oh, putain. Oh le con. Oh le. Oh j'ai fait critique. Mais non. Oh. Ça aurait pu être jouable. Mais ce n'est pas fini. Niveau 26. Oh putain. Faut qu'il arrête avec ses furies, ses écrasements. Allez là, RNG. Il m'a niqué. Il m'a fait deux jets de sable avant. C'est pas pour là.
Donc l'idéal, ça serait que je termine avec au minimum 50 points de vie, un griffe et 3 jets de sable. Est-ce que j'en demande trop? Pas du tout! Voilà, j'ai fait mon Squeezie. Et salut le John! J'espère que tu vas bien. Putain, il est chiant! Attends, j'ai fait une prédiction. Là, j'ai dit il n'y a même pas 30 secondes. Il faudrait que j'arrive au Rhino Féroce avec un griffe, 3 jets de sable et 50 PV. Il me reste 52 PV. Ça va tranquille? J'en chie Bobby! Est-ce que ma prédiction était bonne? On y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Là, on a toutes nos chances. Sauf si crit. Non! Est-ce que tu l'as vu celle-là? On sait que c'est pas possible. Ça va tranquille. Je vais faire une petite pause. Je reviens dans un instant. Allez, c'est reparti! On remet le fond vert. Je suis allé chercher à boire. Parce que ce soir, ça va être chaud. Cent-cinquante-troisième essai. Bon là, on sait déjà que c'est grillé. Putain, mais on va pas farmer jusqu'au niveau 30. Bon, je vais monter Durex niveau 28. On va se remettre en vitesse x10. On va faire une sauvegarde quand même, ça fait. Alors selon le jeu, ça ferait 8h53 que je joue. Hein. Non mais même un Papy Illusion niveau 4 me fait l'anus quand même. Je tiens à le préciser. Ouais, niveau 27. Oh, Dardan, on l'avait pas encore creusé lui. Ok, allez. Juste. On peut Aspico, on veut pas de lui. Est-ce que vous êtes chaud? N'empêche, ça fait peur pour Ondine. Si déjà il faut que je sois niveau 30. Il faut limite que je sois niveau 30 pour passer Pierre. Ondine, je vais être niveau 60. Je vais rien comprendre. Et finalement, j'ai bien fait de pas monter la difficulté à 25%. Non mais fuite impossible ta mère.
J'espère que ça va toujours bien chez vous. Que la météo n'est pas trop foireuse. Que la team chocolatine est toujours en avant. Et elle a quand même réussi à me faire entrave sur lutte. Sur morphing. Allez, on va retaper du Pokémon Psy juste après. Chocolatine, j'ai dit. Ce qui est bien sur le bouton mashing, c'est très pratique. Tu peux boire d'une main, jouer de l'autre. Changer de main pour remettre le fond vert et continuer à jouer comme si de rien n'était. Allez, va-t-il passer niveau 28 avant de crever? Non, peut-être pas. Je reviens. Pas de soucis, Mai. Quand tu reviendras, je serai toujours niveau 27. Les Amandines, let's go! Genre, il s'est pris quand même 5 jets de sable! Il s'est pris 5 jets de sable! Ok, ça s'annonce beaucoup mieux. Enfin, ça s'annonçait presque beaucoup mieux. Il m'a détruit ma game dès le début. S'il commence par jet de sable, c'est toujours foutu. On sait d'avance que il fait jet de sable, c'est foutu d'avance. Même si on commence à lui faire de plus en plus mal. Ça s'annonce plutôt bien. Allez, on y croit. C'est la bonne. Putain, il m'a crit!
C'est peut-être la meilleure run. C'est peut-être... S'il crit pas, on gagne. S'il ne crit pas, on gagne. On y est. On y est. Putain, ça fait du bien. On l'a eu. Malheureusement pour toi, Mai, tu as loupé ça. Putain, 1h30. Juste pour vaincre Pierre. Il y a plusieurs types de dresseurs dans le monde. Du coup, là, c'était 34, c'est quoi? Putain, on l'a eu. On l'a eu. Objet, c'était 34. Lance-soleil. Ah, il peut pas la prendre. Zut alors. On va déposer ça dans le PC. Alors la pierre haut, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Là, c'était 34 non plus. La défense spéciale non plus. Muscle plus non plus. Et puis voilà. Attendez. Bon. Je sais qu'on va pas se faire beaucoup de sous. Donc, autant en profiter et acheter ce qu'on peut en potion. Et c'est parti pour la suite. J'ai envie de skip tous les dresseurs. Dit-il en se chopant la nana avec son poids sirène. Ah, niveau 9 pour la fillette, ça c'est fait. Allez, on continue, on gride là. J'ai des gommes là. Oui. Le gars, il a 3 ectoplasmas. On la gride de ouf. C'est génial. Et à chaque fois, on va s'arrêter au shop quasiment. Tous les deux combats. Oh, on peut à peine se prendre une potion. Yes! Ah, c'est cool ça! Allez, on se soigne. Putain, après on a la Team Rocket. Ça, ça va être chiant aussi. Fury, logique. Ah, quoique. Oh là, oh là, oh là, oh là! Ok, le gamin, on va pas le passer non plus, c'est ça? Ça se passe comment? Putain, de gamin en short, là. Après, Scarabrut, il fait terriblement mal. Ok. Ah mais je l'ai... En fait c'est la lutte qui me tue depuis tout à l'heure. Me revoilà. Remaille. C'est dommage, tu as loupé... Ma réussite. Oh, du coup, maintenant, c'est un Scarabrut qui m'emmerde. Enfin, un Dardanian suivi d'un Scarabrut.
Alors évidemment, un luth de Dardanian, c'est moins solide qu'un luth de. De ce que. De Sub-Héros. Ok, c'est bon, on a un peu plus de chance. Crit, allez, on le passe. Cette fois-ci, on l'a passé, on retourne aux soins. Ça va être dur. Non, j'ai pas assez pour acheter. GG pour Pierre. Ah ouais, non, mais. Alors, je sais pas si tu peux faire un petit retour en arrière. C'était à environ 1h29 de live. Et tu verras cette magnifique victoire. Et en plus, je te fais un petit clin d'œil en mode haha, tu l'as pas vu! Ah non, arrête avec sa belette. Arrêtez, Sablette, Sub-Héros! Oula! 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 Oh, le trio piqueur qui m'a. Alors, on va tenter le gamin au-dessus. Trois Pokémon, ça fait beaucoup. Trois Pokémon à gérer pour. Ah ouais, non, ok. Rhinophéros d'un côté et. On peut le passer. Ok, on l'a passé. On a passé la fillette avec son Nidoking. Donc on va prendre le chemin qui nous donne ici. Je verrai sur la rediff, pas de soucis. Ou sur le TikTok. Hein. Il y a au moins deux ou trois TikTok de prévu, je pense, par rapport à ce live-là. Mais putain, mais non, mais c'est me soigner que je veux faire. Pas aller au shop. L'esquiver avec son gros Onyx. Allez! Allez, passe, 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 oui! Putain, mais ils ont tous des pokés. Oh, mini Draco, il est mignon. Oh, Draco. Bah oui, c'est une zone dragon. Non, lui, il nous attaque pas, je crois. Heureusement que j'ai pas pris Magikarp. Quoique, avec Magikarp, je m'en serais beaucoup mieux sorti par la suite. Bon. Alors, on va réduire la vitesse. On va récupérer les objets aussi qu'il y a dans le coin. C'est-à-dire qu'il y en a un ici. Oh, une zone combat. Sympa. Est-ce que. Oui, ça passe double pied sur. Je check au cas où si j'ai pas fait un fail d'objet. Écrasement. Oh! J'ai fait un fail! Moi j'aime bien les fails! Oh oui, monsieur! Métamorphe va pouvoir écraser. Ah merde, je chope la fillette. Va pouvoir écraser! Oh, ah, ça va aller beaucoup mieux! Oh, la jouissance! Mais c'est trop bien! J'ai fail mon truc. En gros là, bah, je vais pas chercher à up davantage. Hein. Niveau 31, je pense qu'on est plutôt pas mal dans le genre. Je me rappelle plus du chemin. Oh mais là, il y a no game maintenant. Il y a clairement plus de game.
C'est bon, je me suis... Ah si, je me suis planté de chemin, mais il y a un objet là-bas, donc ça m'en va. Ah, là, j'ai pas le choix. Mais pourquoi je le je cherche à le combattre aussi? Comment ça, tu chopes la fillette? Non, j'ai dit, c'est la fillette qui m'a chopé. Attends, est-ce qu'on peut? On sait jamais, c'était 35. Coup de crâne. C'est des attaques de merde, mais je prends. Et... Poum! Coup de crâne. Oh merde, j'ai... Putain, j'ai donné un coup de crâne au micro. Tiens, je t'écrase! Je t'écrase, mais oui! Et j'ai un max repousse. Ah, ça c'est cool. Ah oh, putain. Tiens, je t'écrase les nœuds et je donne des coups de crâne. C'est bon, le game il est plié là. la sortie là-bas, mais il y a un objet, c'est ça, anti-brûle. Non, il n'y a pas d'objet. Mais en soi, hormis les Pokémon Spectre, là, c'est bon, je passe. J'écrase tout ce qu'il y a sur mon passage. En fait, là, c'est comme si j'étais un Mew. Allez, la Team Croquette, c'est parti. Oh, Elector. Surcoté. Et ciao. Allez, on prend le Nautile. De toute façon, il va nous servir à rien. Et la Team Rocket. J'adore manger du pain rassis. Oh, fais-le en pain perdu. Utilise ton pain rassis pour faire du pain perdu. La Team Rocket avec Dardanian. Eh ben, on l'écrase! On l'écrase! Et on l'écrase! En vrai, je peux faire Ondine et aller à l'avant-ville ce soir. Oh, la libération! Alors, attends, on va check la carte. Que je te fasse pas de bêtises, on est route 4, on a rien route 4. Oui, si je dis pas de bêtises, il y a pas d'objet ici. Ok, si j'ai... Si, y a un objet dans le coin, il me semble. La CT-44. Cascade. Ok, pour l'instant, il y a juste Lance-Soleil qui n'a pas pu la prendre. Moi, ça me va. L'objectif, c'est de faire enlever Morphing de Métamorph. Et on t'écrase! Ouais, c'est bon, on fuit. Hop. Allez, on réfléchit pas, on saute sur Ondine. Dodrio, c'est vol, allez. Vol ou normal, Ondine, tiens, du coup. On y va comme ça, au culot. Alors, plutôt vol, plutôt normal. Rapace de pique. On t'écrase! Et niveau 22 quand même. Allez hop! Elector! Ah bah c'était vol, quoi qu'il en soit. Coup de crâne! On peut perdre, on peut perdre. Morphing! Bec vrille, non, on a perdu, non, on a perdu contre Ondine. Merde.
Après, j'étais pas full vie. Ptera, cascade, ça meurt de suite. Rapace de pique, écrasement. Avec un grand plaisir. Ouais, je le tente. Ah, il m'a para! Oh, le con! Non, non, mais non! Mais non! Non, mais même Ondine me détruit. T'es pas moi. Mais c'est quoi? Non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Merde, j'ai fait morphing. Ah bon, là, ça craint. À moins que... Je vais trop vite, j'ai fait morphing. Son rapace de pique est en train de me faire les fesses sans même que... Mais non, mais c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Ton Némésis. Ah ouais, non, mais c'est ça, mais non, mais là, c'est surtout rapace de pique. Je faisais le fier en mode c'est bon, en 1h30 j'ai eu le premier badge, et là, 20 minutes après j'ai le second, là non. Ondine, elle est en train de me faire baver avec son... Non mais, éclair me fait des dégâts d'enculé. J'ai pas tapé le pompé pit avant. Voilà, hop. Voilà. Non mais oh. Si j'ai eu peur. Ok, deuxième badge en... Bah... 18 minutes. Voilà. Ouais, je peux apprendre coupe. Et la CT11. Que nous cache la CT11? Un palcorn. Oh zut, il peut pas. Non mais sérieusement, vous imaginez un métamorphe, le truc tout flasque, faire en palcorn. Le truc, c'est une bite en repos. Très clairement. Qu'est-ce que tu veux qu'il empale? C'est normal qu'il n'est pas apte à faire ça. Putain, c'est... C'est ouf. Le fond vert revient ici. Le fond vert revient là. Hop là. Bon. Je viens juste de me rendre compte de ce que je viens de dire, que c'était en live. Oh putain, j'ai... Allez, let's go! En avant, patate! Mélodelphe, je t'écrase presque. Rapace de pique, je t'écrase. Mélophée, je t'écrase. Mélodelphe, je
t'écrase. On se retrouvera à l'avant-ville. Ah oui, mais quoi qu'il en soit, il va falloir que j'apprenne coupe. Piafabec, je t'écrase. Canartichot, je t'écrase. Artic... Ah non, je vais pas l'écraser, lui. Bon, allez, pas le choix. Un sécateur, je te coup de crâne. Ah, il m'a endormi. C'est moins rigolo quand il nous endort. D'un seul coup, c'est fou comment le jeu est beaucoup plus simple. En vrai, on peut réussir à aller jusqu'à l'avant-ville maintenant que on est beaucoup plus safe. En tout cas, sur le prochain live, on aura deux nouveaux Pokémon, ça c'est cool. Il me fait sommeil. Par contre, ouais, je vais devoir user des super bonbons. Car ils seront pas du tout au niveau. Allez, Kikli, le dresseur de la Team Rocket, viens là que je t'enfume. Oh, Ronflex. Il me semble qu'il y a un objet plus bas. Non, il n'y a pas d'objet. Ouais, il va peut-être durer un peu plus longtemps que 2 heures. Car après, on a... Ouais, on a ça. Ouais, c'est jouable. Ah oui, non, l'objet, il est là. CT03, objet. Berceuse. Bon, il peut pas la prendre. Faut pas non plus déconner. Ah, il y a que sur, en gros, ectoplasma. J'ai pas trop le choix en fait de morpher, et dans un sens c'est pas plus mal car en fait ça me permet d'avoir un gros stab spectre, sauf quand on meurt bien évidemment. Du coup je vais en profiter d'ailleurs. Bon, on a un peu perdu de sous je pense dans cette histoire. Bon, ça va, on va continuer à prendre un peu de potions, genre 5 de plus, on sait jamais, même si on est beaucoup plus safe. Et du coup on va prendre 5 Pokéballs pour après. Même si les objets sont random au sol. Au moins maintenant je passe les Onyx sans souci. Sans sourcil et du bulbe. J'ai Avast qui se lance, c'est très bien. Mais même Cascade, ça devrait... Ça tue pas, mais ça fait des dégâts. Après, l'avantage aussi du stab normal, c'est qu'il peut pas me faire d'attaque de type spectre. Essaye de voler la caisse. Ah, c'est pas le bon jeu. Je crois pas que j'étais si haut sur la première run, sur les premières runs, à être niveau 40 ici. Là, il y a un objet, si je dis pas de bêtises. Carp. On va éviter de faire morphing sur Magikarp. Hop là. Ah, il faut que je relance la musique, j'en ai plus. Hop là. Et salut à tous! C'était 6. Balayage. Ah, il peut apprendre balayage. Alors, attendez. Car du coup, balayage sur les Pokémon lourds, ça peut être très fort. Mais j'ai déjà cascade contre la roche. Combat, il y a quoi d'autre qui est super efficace? Des types normales. Mais types normales...
J'ai écrasement et coupe qui vont être sur leur stab. Ah ouais, mais si je tombe sur un ronflex, ça peut être relou. Ouais, allez. C'est un métamorphe de compétition. Et du coup, il aura coupe derrière. Par contre, ça c'est. Ouais, je veux dire, c'est pas très malin. On teste balayage sur un Onyx. Hop là. Coup de pied balayette. Et niveau 40. Mais oui, t'es nul! Allez, tiens. Hop, hop, Pokémaniaque. Nanana, oui, téléporteur. Là. Oh, tu m'as sauvé la vie. Oh oui, merci. Voici le. Attends, il m'a bien donné l'objet, il m'a pas dit que j'étais plein. Oui, j'ai le passe-bateau, let's go. Merde. On va soigner. Je sais à peu près, enfin je sais où est-ce qu'on va... Où est-ce que le live va se finir. Hop. Ah ouais, c'est bon, le Durex Max là, il est solide. C'était 28 qui ne sera pas tunnel du coup. Dévorev. Ah. Ça peut être cool par la suite. Selon les Pokémon qu'on aura. Carte. J'ai un doute. On est route 5. On est très loin. J'ai pas trouvé un seul objet, je suis dégoûté. Là, on a des dresseurs qu'on peut esquiver. Bonsoir Mewtwo. Mais ceux-là, on peut pas les esquiver. Merde, j'ai fait morphing. Ah, quel con. Je suis allé trop vite. Bon, ça va mort sur sa passe. Oh, jackpot pour se faire des sous. Yes. Parfait. Non, j'ai rien à pêcher. On va récupérer le bon pour la bicyclette, même si... Ah bon, on va prendre quand même la canne à pêche, on sait jamais. Ah mais si, aussi l'écume. Shop non, arène après. Centre poké, voilà, c'est ça. Et. La place pour la bicyclette, c'est Monsieur Pokémon qui est. Ah, le fan club de Pokémon, il est où? Ah, il est là. Ah, blabla, Ponyta, Galopa, allez, le plus beau, élégant, il court, il aime des câlins, poutou, zoup, zigizou, allez hop, allez, prends ça, cadeau, hop. Les rapaces de pique transportent tout et n'importe quoi. On sait très bien. Allez, let's go! Sur le syndrome! C'est pas le satan qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tadadam! Moi, la mer, elle m'a pris. C'était un. On est quel jour maintenant? Vendredi! Ah oh, non, on n'est pas vendredi. Ah, il y a des trucs dans les poubelles, c'est vrai. Il n'y a plus de poubelles. Bah, si elles sont là-bas. Un joli tas d'ordures, oui. Un joli tas d'ordures, oui. Un max élixir, yes. Oula. Du coup, je... Mais c'est pas par là, le chemin. Mais non, c'est pas par là, le chemin. Merde. C'est malin. Allez, patate. T'es de nouveau là. Ouais, moi, je suis niveau 40, mon gars. En vrai, ça passe. P
pas. Ou pas. Ou si ça passe, ça passe. Staros, Météror. Ah, ça va être plus complexe. Ah si, ça passe. Mais oui, on a tenté le morphing. Le retour de Mewtwo. Patate, il n'y a que le maître de la technique coupe à bord. Ben oui. Voilà, nettoyage de dos. Enfin, nettoyage de dos. Tapage dans le dos. Objet. Coupe, coupe, coupe. Car quoi qu'il en soit, tous les Pokémon peuvent apprendre les CT, les CS. Et non, du coup, je vais pas enlever Morphing. Quand ça va être fun, on va essayer de tenter la ligue avec... J'ai failli faire une connerie. La ligue avec Morphing. Au revoir, le Saint-Anne. Ce fut bref. Peut-être aller se soigner aussi. Allez, de quel type sera la reine du Major Bob? Oh mais putain! J'ai jamais compris le système des boutons. Ok. On bypass tous les dresseurs. Qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? Un joli tas d'ordures. Allez, je dis que notre ami Major Bob sera un champion de type. Sera un champion de type. Vous allez dire de type acier, mais non, c'est pas possible. Psy. Ou feu. Elle est psy. Les boutons sont toujours sur la poubelle adjacente. Oui, mais j'étais sur la poubelle adjacente. Oh, type insecte. Oh. Niveau 34, Major Bob. En vrai, en termes de... T'avais qu'un seul Pokémon, toi? Ah bah oui, dans la version jaune, il a que Raichu. Oh, je suis déçu. Ok. Je suis déçu. Croissance, on s'en fout. Ça, on va le vendre. Dans jaune, il a que Raichu de base. Ouais, ouais. Putain, il faut arrêter les OGM, là, les arbustes qui repoussent aussitôt. Est-ce que je me rappelle du chemin de la grotte? Est-ce que je me rappelle du chemin de la grotte? Est-ce que je me rappelle du chemin de la grotte? Très bonne question. Il me semble pas. Balayage, ça fera rien. On va rester sur coupe. Faut arrêter avec les Mewtwo là, oh. Bonjour, on a tous des Mewtwo, tout va bien. Regardez, hop, moi aussi je suis Mewtwo. Météore dans ta face.
Bien défendu. Mais oui. Ah, il y a un objet. CT 8. Putain, mais on trouve toutes les CT aujourd'hui ou quoi? Toxique. Oh, il peut la prendre, mais non. Faut pas déconner. On va regarder un peu pour les autres aussi. Tu vas t'arrêter où? Dans très peu de temps. Par contre, avec les Dracolos, soit je m'arrête avant la grotte, soit après la grotte. Je ne sais pas encore. Putain, il m'a eu. Il m'a eu. Oh, merde, j'ai oublié d'aller... Car là on est déjà à 2 heures, les rediffs sont déjà bien longues sur le JDF, même si on a passé une grosse heure et demie à tryhard pour Pierre. Oh, il est chiant avec sa cage éclair. Mais il est vol, pourquoi je cherche à faire balayage moi? Parce que je me dis qu'il est gros. Putain. Attends. Hop là. Ah, on va jouer dans son jeu, hein. C'est histoire de prendre l'ascendant psychologie. Ah mais après il a que gros yeux. Merde. J'ai peut-être mal joué. Je vais me faire avoir par ligotage. Je vais me faire avoir par ligotage ou soit... Ouais, je me fais avoir par ligotage. Ah, le... ah, mais deux fois que j'oublie d'aller me heal au centre poké. Alors, je pense qu'on va s'arrêter avant la grotte. Je pense que c'est plutôt raisonnable. Et en plus, je parle un petit peu fort. Je viens de réveiller bébé. Donc on va un peu parler plus doucement. Je veux dire, il faut pas qu'il me paralyse. C'est surtout, il faut pas qu'il me fasse de ligotage. Ok, c'est bon, on le passe là. On le bypass très facilement. Ok. C'est la route 9, putain, c'est la route 8 où je peux capturer des Pokémon. Ouais, c'est là, ok. On va s'arrêter là pour ce soir, les amis. Enfin, pour cette nuit. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Si c'est le cas, mais la rediff... j'entends une aide, ouais. J'espère que la rediff va aussi vous plaire. Elle est un peu plus longue que d'habitude. On s'est arrêté un peu plus tôt que d'habitude, car le début a été très compliqué. Mais je pense que là, tout le reste de la run devrait vraiment bien se... passez. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Faites de beaux rêves, les amis. Et on se retrouve très vite pour le prochain live sur Pokémon Réunion après-demain. Allez, sur ce, les amis. Ciao, ciao. Peace.